Bonjour et bienvenue sur Runtornid, la marche à pied des survivants. J'interromps temporairement votre programme pour vous faire passer une information. En effet, à la fin de cette vidéo se trouvera une annonce particulière au niveau de la série, et je tenais à vous prévenir. Bien, voyons où sont rendus nos survivants dans ce monde hostile. Une fois arrivé là-bas, tu prends vite fait toutes tes affaires, le sac en premier. Oui. Pourquoi tu passes par là? Faut suivre la route. C'est plus rapide. T'es sûr? Oui. Par contre, je pense qu'il nous faudra peut-être reprendre un petit peu d'essence avant de partir. Tu Ouais, t'occuperas de bah c'est ça? ce que je dis, là il y a ce qu'il faut au niveau essence. Tu vois, c'est plus rapide. Hop, allez. Et là, pas de quartier, là, les zombies, là. Il y a encore plein de zombies partout. C'est bon, je peux descendre? Ouais, vas-y, 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 vas-y. Il y a un zombie derrière. Vas-y, va récupérer tes affaires, vite. Ouais. Pendant ce temps-là, moi, je défonce le reste. J'espère qu'il n'y a pas de zombies qui viennent vers toi pendant que... Du coup, je regarde. Non, ça va. Bon, ça va, ça a l'air d'aller de ce côté-là. Ah, du coup, j'ai. Oh non, il y a des trucs que je peux pas récupérer, du coup! Ah. Oh merde, ça va être chiant ça! Bah, tu me dis ce que tu aurais pu récupérer, ce que tu n'as pas pu récupérer, justement. Bon, les objets de soins encore, c'est bon, les munitions aussi, mais c'est-à-dire que j'ai plus d'armure, j'ai plus de tenue. Ah mince. Et tu vas être obligé de récupérer ça dans les... Bon, c'est déjà ça, hein. Déjà au moins t'auras pu récupérer l'essentiel. L'essentiel. Bah à part les vêtements, mais... Bon, heureusement que le sac, t'as le droit de le récupérer quand même. Oui, parce que j'ai mis en tant qu'objet fétiche. Oui. Même le C4, techniquement, j'ai pas le droit de le prendre. Ah. Bah, et moi je peux pas le récupérer, non? Vu que c'est ton. Remarque, techniquement, est-ce que ça peut être considéré comme munition? Parce qu'après tout, c'est une arme. C'est à la fois Bah, une d'un arme et côté, une c'est une munition, arme donc. utilisable. Hein? Ah, oui, bah, pour le coup, c'est une arme utilisable, donc. Donc, je sais pas, tu vois. Sur le coup, je serais à me demander. Ah, des flèches, intéressant ça. Parce que du coup, les mines et le C4, je sais pas si techniquement j'ai le droit de le récupérer ou non. À voir. Allez, je veux récupérer ma poêle. Merci. Parce que techniquement, c'est à la fois une arme et c'est en même temps une munition en fait. C'est pour ça, je sais pas si j'ai le droit de le prendre en fait. Tiens, tant que j'y pense, je vais recharger. Du coup, j'ai plus de katana, c'est génial. Oui, effectivement. Bon, ça va encore, moi j'en ai un dans mon coffre, donc si je peux je peux venir te le donner. Bon, voilà, je suis tout nu. Alors, Ah, je suis à poil. attends, j'ai pas compris là. J'ai enlevé mon chargeur de mon arme. D'accord. Par contre, mon chargeur, j'ai enlevé, mais je ne retrouve pas. C'est quoi ce bordel là? J'en sais rien. Bon, déjà, je vais prendre l'armure police que j'avais trouvée tout à l'heure. Ça me fera au moins une protection, ça sera mieux que rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Si je l'ai perdu, c'est la merde. De quoi? Bah, le chargeur de mon fusil à pompe, je l'ai, je t'explique, je l'ai sorti, tu vois, de mon arme, pour ensuite le prendre et le recharger.
Et là, problème, je l'ai sorti, mais alors introuvable. Bon, allez, on va considérer. Je vais les. Ouais, allez, je fais une. On va considérer que les explosifs sont considérés comme des munitions. Parce D'accord. que sinon, on va y être encore pour demain. Ok. Putain, mais merde là, c'est casse-couille. Bon, par contre, il me faut des vêtements. Dans les maisons, il devrait y avoir ce qu'il faut. Est-ce que tu as rempli l'essence, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on se dépêche. Oui, à 100%. Je veux pas m'habiller comme en cuisinier, mais je crois que je vais pas avoir le choix si ça continue. Bof. Ça peut t'éviter d'être à Ah, poil. j'ai trouvé un objet pour réparer les véhicules. Ah, cool. Bah, je vais pouvoir le prendre, je pense. Putain, fais chier là, mon Il est fusible. J'ai justement perdu. là dans la station-service. Fais chier. Bah, pourquoi mon fusil à pompe là perd de son utilité. Tu peux plus l'utiliser? Wooden shutter, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, ça dépend. Est-ce que tu l'as utilisé quelque part? Parce que lorsque tu recharges, normalement tu perds le truc qui tombe par terre. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? intéressant. Non, j'ai trouvé une petite trappe que j'ai pu installer. Hammer? Hammer? Ah, c'est un marteau. Ouais, ça va pas servir, ça. Il y a des... Bah, sauf pour fabriquer certains objets, mais après je sais pas lesquels. Bah pour le coup, ouais, moi, mon chargeur de fusil à pompe, c'est dans le cul. Et alors, va m'expliquer le bug, hein, clairement. Y a rien qui explique. Hein. Moi, je sais ce que je vais faire. Hein. Il va être très vite remplacé par une certaine arme. Ouais, bah on verra ça tout à l'heure, je pense. Ah oui, là du coup j'ai pris le viseur de, enfin le viseur le. Oui c'est ça, j'ai changé, j'ai mis le viseur de fusil à pompe sur mon arc et du coup c'est un viseur, tu sais, sans croix. Mais du coup avec le point rouge, bah le point rouge est centré dans le rond, donc du coup c'est hyper bien. Ça va très bien ensemble. Donc pour le coup, ça fait un arc cheaté. Bon, Bon bah je sais. Quand on sortira de la ville, est-ce qu'on pourra, tant qu'on y est, repasser vite fait vers le centre militaire? Parce qu'il y a un casque militaire Oh, là-bas. katana, katana, katana. Ah ouais. Ça c'est une bonne. Oh, attention, un zombie! C'est C'est bon? bon. Ouais, c'est bon. Une carotte. Mais les... Pour l'instant, niveau nourriture, ça passe encore. C'est pas ça le plus difficile, là, pour l'instant, à vivre. Bah regarde dans les autres si les autres fusils à pompe ont des chargeurs qui marchent avec le tien, au pire. Chambered une shell. Pour le coup. Ça a l'air d'être pareil. Ah, j'ai trouvé une hache. Je suis pas... Dans le truc des pompiers. Dans la caserne des pompiers. Ah si, il peut s'équiper. Alors ça marche? Ouais, bah ça marche. Bon, sinon pour la hache, je te l'ai dit. Et Ah pour... d'accord. Ah mais du coup, moi j'ai... Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de shell, en fait. Oh, peut-être que... Je sais pas comment c'est foutu. Excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais te dépêcher? Parce que malheureusement, là, j'ai un truc de prévu et je suis un peu en retard. Donc, Ouais. si on pouvait se dépêcher, s'il te plaît. Il est où le... Dans la caserne des pompiers et en face du truc turbulent. Non, dans l'autre pièce.
Voilà, c'est non, celle-là, voilà, ici. Hop. Et il y a un truc pour réparer les véhicules à l'intérieur du... Non, pas ça aussi. Je... Non, pas ça. Ça, je prends. Je peux voir pour ça. Pour. Attends, je crois que j'ai peut-être de la place pour le prendre, ce qu'il faut pour réparer le véhicule. Attends, du coup, moi je. Ah, cool. Donc, ouais, en fait, moi, tu vois, c'est les balles rouges qu'il faut que je prenne. Les trucs de fusée à pompe, là, qu'on prenait, le shell, ça ne me sert à rien. Ah, ok. Tu vois, c'est les balles rouges comme ça, là. Là, je peux pas trop regarder. Je suis en train de voir ce que je peux utiliser pour Ben, en fait, c'est prendre un juste bidon. les sortes de balles rouges avec un embout jaune, en fait. C'est ça. Qu'il me faut pour le coup. Oh bah du coup il est complet. Il est totalement chargé. S'il te plaît. J'ai une échelle. Est-ce qu'on l'a? Bah je l'ai pris du coup. Ouais, prends-la. Il faut remplir le truc. Le problème, c'est que j'ai plus de place pour un Remplir le bidon truc. d'essence. Mais il est rempli. Ah bon, il est rempli déjà? Mais je te l'ai dit qu'il était rempli à 100% tout à l'heure. Ah bah pardon, j'avais pas entendu. Bon, t'es prêt? Je suis dedans. Ouais, Je bon, on m'approche va de la bien. sortie de la ville au pire, si tu veux. Non, non, mais c'était pour. Oh, une balle de fusil à pompe. Qu'est-ce que je peux bien déposer? Fuck. Ça, tiens, ça je vais utiliser, je vais me soigner, hop. C'est bon, j'arrive. Où es-tu? Tu es là, tu vois, il était rempli. On est d'accord. Oui. Vas-y, Attends, je. monte. Attends, attends, je vais vite faire remplir avant. C'est bon, j'arrive. Comme ça, on va pouvoir y aller. Et on va pouvoir dodoter. Ouf, bah putain, c'était pas tourbeau, hein. Ouais, je vais voir si je peux pas trouver une tenue vite fait chez les militaires. D'accord. Et puis au moins un casque. Au Puis moins un après. casque. Ouais. Pour le coup, le béret, il est pas très puissant quand même, hein. Le Beretta? Ouais, j'ai utilisé un peu, mais il est pas. Bah en fait, il est aussi puissant. Non, il est légèrement plus puissant que le pistolet de base. Ouais. Et un peu plus de munitions aussi. C'est lui qui va peut-être être remplacé par le. Wow. Par l'arc, finalement. Attention, il y a... Hey, il y a un zombie! Putain, bâtard. T'as vu? T'as vu le nombre de balles qu'il me faut? Bah en même temps, il est blindé le zombie. Bon, allez. Ou alors, où il était déjà ce... Je crois qu'il était dans la première tourelle, si je me trompe pas. Ah zut, c'est encore un zombie. Pire, si on trouve vraiment des objets intéressants, moi je pense que je vais finir par le lâcher. Ouais, mais t'inquiète, Ah, hein. il y a un truc de docteur. Où Il y a un ça? haut de docteur. Ah oui, Ici. ici. Ok, attends, je vais le prendre. Ah, j'ai plus de place. Voilà, ça c'est fait. Bon, trois coups à la tête, j'ai tué. C'est pas énorme, énorme, hein. Je connais des armes qui seraient capables de one-shooter. En même temps, les pistolets, c'est des armes de poing, hein.
Ouais, c'est vrai. Mais bon. C'était pas ici. Tu me dis si tu retrouves le casque. What? Parce qu'il me semble qu'il y a un casque militaire ici. J'en avais vu un tout à l'heure. Un casque militaire, bah pour le coup, attends, je vais regarder vite fait. Ah, trouvé! Ah bon, bah si tu trouvais. Voilà, c'est bon. Bon, on rentre vite fait à la base et puis on arrête pour aujourd'hui parce que j'avoue que je suis un peu en retard là. Je suis attendu et je suis en retard. Ouais, bah j'arrive. Bah t'es où? Bah j'arrive. Ah. Bon, j'essaierai de recompléter ma tenue plus tard. Ok, oui, t'inquiète pas. C'est déjà ça. Vas-y, vas-y. Roule mémé. Alors. Je suis pas une mémé, je suis un scientifique, merci. De rien, de rien. Endurance. Hop. Voilà. Ah bah tiens. Un docteur écrasé. C'est peut-être un de mes collègues d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Bon, tant pis. Ouf, il est mort, de toute façon. Oui. Essaye de prendre un raccourci pour le coup. Oui, je vais essayer. Vu que pour le coup, on a une bagnole qui est maniable. Désolé, j'avoue que j'ai un peu raté mon raccourci cette fois. Alors, je disais qui est plus maniable et plus rapide que le camion de pompier, donc autant en profiter. Oui. Ouh, Je suis ah pressé, non. je suis pressé, je suis Je suis pressé. pressé, mais je suis pressé. Ah mon dieu. Tout est ta faute. Arrête de te mettre debout dans le camion. Enfin, dans l'ambulance. La la la. Et on fait tourner les serviettes. Ah non! Ah mon dieu. Je suis comme Miss France, je fais coucou à la fenêtre de la bagnole. Coucou! T'es bête. Ah oui, je suis bête. Bon. Hop, 1, 2, 3, ninja! En plus, il commence à faire nuit, donc. Oui. Oh, ça va être bien pour dormir. Enfin, détruisant ces zombies quand même. Oui, si tu veux. Alors attends, je vais peut-être déposer moi un peu de trucs avant. Ouais, ça, je dépose pour réparer les véhicules. Je Oh, bah dépose. du coup, regarde, en plein dans la maison, on a des balles de fusil à pompe. Ah ben, on a de la chance alors. Effectivement. Alors, poupoupou. Bon, eh bien la prochaine fois, je pense qu'on se fabriquera d'autres coffres. C'est ça. Bon, bah dans ce cas-là, on dit bonne nuit à tout le monde. Ouais. On va aller se coucher. Moi, j'ai envie de dormir, moi. Hop là. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. À la prochaine. Salut. Bonjour et bienvenue sur Winterny, la marche à pied des survivants. Excusez-moi, c'est l'habitude. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Cette série touche à sa fin. En effet, cet épisode était malheureusement le dernier. Je tenais à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette série.
J'espère qu'elle vous a plu du début jusqu'à la fin. Néanmoins, j'ai une petite annonce à ce sujet à faire. On m'a proposé récemment un poste, et j'ai dit oui. Donc, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir que je vous fais. Je vous dis par conséquent à la prochaine fois, portez-vous bien et à la prochaine!